Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur City Skyline, un jeu qui est vraiment pas mal du tout à jouer. Donc on va sélectionner la carte sur laquelle on va jouer. On va essayer de trouver une carte à peu près moyenne, histoire de pas trop emmerder. Moi je suis plutôt plage, etc. Genre ça, voilà. On est à 63%, thème de base tropical, ok, on a nos ressources qui sont ici. D'accord, bon, on est pas mal en ressources, par contre, c'est pas très adapté à la construction. Mais bon, niveau ressources, on est bien. Bon, après, on peut prendre ça. Et je pense qu'on est pas trop mal, 63%. Bon, alors cette map elle serait idéale honnêtement, mais bon j'ai pas envie, je préfère jouer ce que j'ai envie de jouer. Logique, vous me direz. Las Vegas. Dès là. Oh non, ta gueule, Las Vegas. YouTube. Non, Las Vegas. Ouais, Las Vegas, allez, on s'en fout. On démarre le jeu, je pensais qu'il y avait des niveaux de difficulté, mais apparemment non. Il me l'aurait proposé, je pense, direct en créant la partie. Allez, on est parti, on commence avec 70 000 dollars. Ok, bon, pour l'instant, je pense pas avoir besoin d'aide, honnêtement. Alors, comment elle se trouve la map? Bah, c'est une belle map. Je sais pas où sont les extensions, après, on verra par la suite. Alors, est-ce qu'on part sur... Ok, on n'a pas d'autre route. Bon, on va partir sur ça. Voilà. On va faire un petit peu plus, mais il faut pas trop non plus utiliser de... Ah, c'est con qu'il n'y ait pas de rond-point, par contre. Parce que là, c'est une route normale. Ah, ça y est, il y en a un. Mais c'est combien? 2500. Est-ce une bonne idée? À voir plus tard, peut-être en rajouter une. Bon, après, on peut se la mettre en vrai. Bon, en vrai, on va se la mettre. On va se la mettre ici. Alors, j'espère que dans le futur, ça va pas trop se boucher. Voilà, c'est parfait. On verra bien ça de toute façon, mais. Ok, on part tout de suite par ici. Bon, elle est pas très bien centrée, on va perdre en efficacité, mais bon, c'est pas trop grave à la rigueur. Voilà, et on partira par ici, mais je pense que j'ai fait une petite boulette. Je pense qu'on peut encore plus pousser. Ah, ben là, c'est un peu trop. Il me semble que là, on est parfait. Non, on n'est pas du tout parfait. Il n'y a pas plutôt un bouton retour parce que là je pense que je dépense un peu d'argent dans le vide quand même. J'ai fait ça à grand moi comme un abruti. Non, ça va toujours pas. J'en ai un abruti. Et je crois quand il met la ligne. Voilà, ok. Nickel. On va partir plutôt. Là, ça va être une 4 voies. Eh bien, écoutez, on va faire ça comme ça. Voilà, et par ici, on peut commencer d'ores et déjà à mettre des maisons. Des maisons. Là, ça fait un carré entier. Je vais plutôt faire en sélection. Voilà, on va déjà faire ça. Par contre, ça va, c'est sur pause. Il faut tout de suite que j'alimente tout simplement la ville. Donc on a station de pompage d'eau. Mais il me semble que ouais, il faudrait plutôt que le pompage le mette avant et ça après, parce que sinon je crois qu'ils vont être malades. Les habitants par l'eau. Donc on va faire ça comme ça, on modifiera au pire si ça va pas. Donc là on fait ça, on les raccorde. Voilà, c'est une première.
Et là, bon, bah, on vient très loin, mais bon. Ça coûte combien de faire ça? 4000. Moi, j'aimerais que ce soit plutôt en comme ça. Encore un petit peu. Voilà. Pour l'instant, on va rester sur ça. Ensuite, il nous faut tout de suite ça et hors des limites de la ville. Merde. Ah bah j'aurais aimé la mettre ici, mais dommage. Bah vous savez quoi, on peut la mettre. Enfin, on la redéplacera plus tard. À la rigueur. Et par contre là, je vais devoir mettre un pylône pour alimenter les maisons jusqu'à là-bas. C'est un peu la merde. Bon, on va le mettre ici. Ou ici. Ouais, ici. Ouais. Pour l'instant, c'est bien. Ça fera l'entrée de la ville. Et ça, pour l'instant, j'ai pas trop le choix de le mettre ici. Voilà. Hop, on peut faire play. On peut faire play. Pourquoi pas de connexion comment ça? Je comprends pas trop le délire. Ok, première centrale construite, oui, bien sûr. Plus d'options. Construction des routes, ok. Route courbe, d'accord. Alors ça se construit. Si on se met... Ok, c'est bon. Donc ils sont bien alimentés. En électricité et en eau. En eau, ça fonctionne pour l'instant bien. On va... tout de suite aller dans les finances juste après. Alors attendez, je vais continuer à augmenter les routes. Oula. Ah oui, le terrain n'est pas plat. Ok, moi je suis vraiment quiche en route. Voilà. Et on va se recréer des maisons parce que bon, il en faut quand même pas mal. Il en faut quand même pas mal. On va commencer aussi les magasins. Alors pour l'instant ici je vais pas mettre grand chose parce que ça va boucher les entrées, etc. Donc je vais mettre plutôt des magasins genre ici. Et des maisons, mine de rien, il va falloir que je continue à construire la route. J'aurais plutôt fait parce que là bon je vais créer mon premier quartier évidemment. Ouais, on va faire une route principale comme ça. En vrai j'aurais dû continuer plus dans la longueur là-bas, j'aurais économisé un peu d'oseille, mais bon tant pis. Maintenant c'est fait, c'est fait. On a pas mal de verre donc tout ça sera des maisons. On a un peu de bleu qui se construit. On peut en rajouter ici, pas ici, parce que le pylône après on va amener à, il va être amené à être supprimé. Volet économique, ok, impeccable. Donc ça, on va pouvoir déjà le baisser au maximum parce que là on payait quand même pas mal. Ça va nous permettre d'économiser un peu d'oseille comme on n'a pas beaucoup de monde pour l'instant. On est à combien de personnes? J'arrive même pas à le voir d'ailleurs. Je sais plus où c'est. Ah, c'est là, on est à 155 personnes. Oh là! Pas assez d'eau. Ah, donc l'avoir baissé déjà comme ça l'aurait. Bon, bah, on va augmenter, mais. Ça m'étonne quoi. Ah non, 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 non! Oh, mon dieu, pause. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que j'ai pas alimenté en électricité. Eh oui. Donc on va mettre ça ici. Et puis bah je crois que c'est bon. Oh, il pleut. Il pleut, il fait nuit. Ok, nice. Bon bah c'est bon là, les habitants vont être contents. C'est pour ça que je voyais tout à l'heure de 155 qu'on est passé à 154 direct. Je me suis dit merde, il y a un problème. Par contre, ça va un peu vite, on va rester en une fois, ça va suffire pour l'instant. Ici. On va construire en vertical.
Hop, on va se mettre ici du orange et ça suffira pour le moment. Eh oui, je continue mes conneries. J'ai pas continué ici le raccordement. Hop, optimisation. Voilà, c'est bien optimisé comme ça. Placé comme un bâtiment historique. Ok. Bon, j'ai déjà joué, hein, bien sûr. Inutile de vous le dire. Je pense que vous avez vu que bon, ça va, j'ai des bonnes bases quand même. Ok, on peut remettre play. Là, les gens ont du courant. Je pense que je peux déjà supprimer un pylône. Enfin, je sais pas, je vais essayer. Ouais, je peux en supprimer qu'un pour l'instant. Et puis après, quand je construirai ici, ça va se rejoindre et je pourrai supprimer complètement les pylônes. Ça sera beaucoup mieux. Beaucoup plus joli aussi. Bon bah ça se construit, je vais en rajouter ici. Et je pense que ça suffira. Alors, petit hameau. Donc on est en petit hameau pour l'instant. Il faut atteindre pardon, 500 personnes en population. On aura les impôts et les prêts en nouvelle fonctionnalité, les déchets, la santé, l'éducation. Donc forcément, avec tout ça, il y a des nouveaux bâtiments, une clinique, une école élémentaire, un site de décharge et j'ai déjà pas beaucoup de sous. J'espère que ça va bien se passer. Bon, je pense qu'avec les nouveaux arrivants, je devrais me faire pas mal d'oseille quand même, mais on peut en rajouter. Apparemment, de ces bâtiments-là aussi. Donc ça, on va faire une zone ici vraiment un peu lointaine des maisons parce que je sais aussi que si on construit une zone industrielle à côté des maisons, les gens sont pas contents et ça baisse le moral, etc. Donc c'est mieux de faire comme ça. On attend que ça se construit, on peut mettre en x2 en vrai, on va voir ce qui se passe ici. Du coup, je pense que je peux baisser ça oh, largement, largement. On a 12 mégas. En production, on ne consomme que 3 mégas pour l'instant. Et là, on consomme 5 500 et le pompage, il peut aller à 30 000 mètres cubes par semaine. Donc bon, on est bien. On est bien pour l'instant. Putain, il faut encore construire du orange. J'en faisais pas beaucoup. Je me suis dit que bon, en fait, je raconte des conneries. Comme quoi, bon bah écoutez, il n'y a pas de problème, il y a de la demande, donc bah on est parti. On est parti. Hop. Ouais, c'est tout, parce qu'après je vais, même ici j'aurais pas dû. Oups, ça s'est construit quand même, je sais pas si ça va poser problème, ça a pas l'air. Ok, ça se déconstruit, bon bah nickel. Là, on va pouvoir reconstruire des maisons. On a déjà un beau quartier, mine de rien. Je pense que j'hésite un peu sur les moyens. Je devrais continuer vraiment sur les maisons. On va continuer jusqu'ici. De toute façon, on est sur la longueur de l'eau. Voilà. J'aurais dû couper en deux là. Faire rejoindre une route parce que là ça fait des grandes rues. Bon, après ça fera un grand quartier. Moi, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, un peu de bleu maintenant. Un peu de bleu, le bleu, on va le faire rejoindre ici. Comme ça, on va pouvoir modifier après le. On va pouvoir faire une zone électrique. Ok, les routes ont des noms. Maintenant, on peut renommer les routes. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Mais, oh, quoique, allez, celle-ci, on va l'appeler rue de Paris. Voilà. Route à deux voies, route prioritaire. Ok, on peut sélectionner les routes prioritaires ou non. On peut ajuster la route comment? Les gens, les itinéraires.
Piéton, véhicule particulier, d'accord. Ah, ajusté, ouais, d'accord, il parlait de ça. Ok, d'accord, j'avais compris. Bon, bah non, pour l'instant, on va rester comme ça. On a un bon équilibre là, au niveau des petits trucs là, mais bon, apparemment, il faut encore que je construise un peu d'orange. Un peu d'orange, un peu d'orange, bah, il n'y a pas de problème, on va faire ça. On va faire un petit quartier d'industriel. Alors, je vais pouvoir. Non, peut-être pas maintenant, mais bientôt faire rejoindre ça. Bon, voilà, il manquera une petite case, c'est pas trop grave. Faut qu'il arrive, ça va construire dessus. Oula, pas d'eau ici. Et quelle erreur. On est à 12 000, ça a bien baissé quand même. Il a combien? On est bientôt là quand même, ouais, sérieusement. Faut que ça vienne là parce qu'au bout d'un moment. Ouais. Voilà. On est en x2, je vais repasser en x1 vite fait. Ici, ici. Pourquoi j'ai fait ça là? C'est pas beau. C'est pas beau. Désolé pour ça, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Hop, on va faire un petit quartier de zone commerciale. Et bah, on va continuer par ici, hein. Mais bon, là, c'est étonnant. On devrait être à 500, mais ça a trop de mal. Bon, après, il y a les emprunts, mais j'espère pas y passer. Bon, bah là, je crois que c'est bon. Voilà. J'espère parce que sinon, ils auront pu avoir l'électricité, ils vont péter un câble. Ici, on peut faire rejoindre ça comme ça. Bon, là, ça fait déjà un beau quartier, donc on va s'arrêter ici. Et on va couper. Ah, nice! Petit hameau, donc on y est. Ils nous disent pas combien on a gagné d'argent, si c'est écrit là. On a dû gagner 20 000. On a gagné 20 000, c'est pas énorme. Vraiment pas énorme du tout. Pourquoi ils sont pas contents là? J'ai pas compris. Pas du tout compris pourquoi. Voilà, ça fait des gros quartiers, hein, clairement. Donc, on a dépensé pas mal de thunes, mais au moins on peut construire parce que c'était pas évident. Et ah, pas d'électricité. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends. Ils sont en bout de réseau entre guillemets. Donc on va devoir augmenter un petit peu le budget élec. Et au niveau de l'eau, on se trouve comment? Bah, les déchets, on va les faire après aussi. Au niveau de l'eau, on est encore très bien. On est à 15 000 mètres cubes sur 30 000. On a encore la moitié, on a un peu de marge en vrai. Je vais reconstruire ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Ici, on va mettre des routes un peu plus qu'ailleurs parce que j'ai peur. J'ai peur de ne pas le faire. Et si je le fais pas, le problème c'est que ça va peut-être causer problème le jour où il y a les pompiers ou quoi que ce soit. Faudrait qu'il y ait plus de routes, quoi. Pas faire trop de détours. Enfin, bon, bref. Ça, on verra. Alors, éducation. Bah, je vais la mettre au milieu. Ah, quoi qu'ici, ça distribue plus de personnes.
Ah, c'est compliqué là. En gros, ça arrange tout le monde ici, quoi. En fait, j'aurais dû couper, je pense, en deux là, ici. Clairement. Je sais pas comment faire. C'est nul hein, quand même, hein. C'est-à-dire que. Enfin, ça distribue pas beaucoup de personnes au final. Bah écoutez, l'école, on va la mettre ici. Après, il faudrait que ce soit plutôt dans une rue, justement. Parce qu'il y a forcément du monde qui va venir. Donc, à la rigueur, limite, faudrait que ce soit peu utilisé. Ça et à la rigueur ici je vais mettre un peu d'habitation mais vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de dire. On a fait un quadrillage bizarre hein. J'aime pas du tout. Et là, on peut ajouter des maisons, sinon. Par ici, de ce côté-là, comme ça, bah, les gens. Voilà, un petit quartier ici. On va rajouter pas mal de bleu. Là, ici, ça sera le quartier. Le quartier shopping. On a pas mal d'orange ici. Va falloir rajouter. Voilà. Ah, poubelle, ouais, bah ouais. Poubelle, bah tout de suite, je m'en occupe. Côté de l'école ou quoi? Ah, manque d'électricité aussi. Bon, bah les poubelles, ça carie, donc on va le mettre là. Bon, ils sont pas contents, mais je m'en fous d'eux. Je privilégie les habitants. Ça, faut augmenter ça, du coup. On va l'augmenter un peu plus quand même pour être un petit peu plus large, parce que. Ça construit tellement vite que. Ouais, c'est bon, c'est bon. En eau, on est comment? On est bien. Bah, maintenant, la santé, parce qu'il y a vite des gens qui vont tomber malades. Et ça va être la merde, hein. Clairement, ça peut aller très vite. Ça, j'aimerais. La santé, on va le mettre juste devant l'école. Faire pause parce que j'ai pas envie que les gens tombent malades, ça va être une galère sinon. Bien, c'est où, c'est là. Et voilà. C'est parfait. Comme ça, il y a. Je sais pas, on peut pas créer de parking, des trucs comme ça? Péage routier, hein. Je compte pas en faire pour l'instant, ça sera dans longtemps quoi. Poubelle quoi encore les poubelles? Ah bah oui, j'ai pas fait pause. J'ai pas refait play. Et du coup, faut que j'augmente ma zone de merde là ici. Par contre, l'eau, ça en est où l'eau? Pour l'instant, on est pas mal. Hein. On est pas mal. On est à 4000 par contre, c'est chaud chaud chaud. Hein. Après, on peut construire un peu partout donc. En vrai, je vais construire ici. Ici, il faut que j'ajoute vraiment des routes parce qu'en vrai, c'est pas le top. Limite, faudrait mettre des routes en quinconce. Bon, pour là où je le ferai plus tard. Après, prévoir de la place pour un parc aussi. Après. À la limite, je détruirai des habitations. Je sais pas trop comment m'y prendre, je vous avoue. Là, on va partir comment? Ça, faut en rajouter forcément. On va continuer la route là, mais bon, ça, c'est rien, ça prend pas mal d'oseille. C'est trop moche, hein, clairement.
On va faire un petit tour de ville, qu'on n'en a pas fait depuis le début. C'est un peu vallonné, enfin vaguement, mais c'est pas mal. Bon bah ça c'est tous les magasins. Bon, il y a des parkings déjà intégrés, au pire, allez, où ma... Il est où mon hôpital? Il est par là. Ouais, mine de rien, vous voyez, il y a pas mal de place, donc c'est pas trop mal en vrai. Après, on a qu'accès par ce côté-là. Et du coup, en vrai, peut-être que ça aurait été mieux de... Enfin, de faire comme ça, voilà, tout simplement. C'est mieux là. Il y a plus d'accès comme ça pour y aller. Donc ça c'est... Ah non, ça c'est l'école. Ah, et bah, mon hôpital, ah, elle est là. Bon, il y aura plus d'accès aussi à l'école. On va en faire aussi ici. Ici, je pense que je vais rien construire. On a la clinique, ok. Bon bah écoutez, on va construire par là. Va continuer le quartier. Non. Merde. Faut pas que ça construise, parce que sinon... On est où en eau ici? On est à la limite, donc on va continuer par ici. Un petit peu plus par là, sinon ça va pas trop le faire. Bon, voilà, et on a pas mal d'habitants qui vont arriver encore, hein. Mais bon, on n'a plus d'oseille, donc à un moment donné, ça commence à être lourd, quoi. On a tout, en tout cas, on a fixé tous les objectifs, en vrai. On a réussi à construire les trois. Donc bah là, on n'a plus qu'à attendre les gens qui vont arriver, hein. C'est bon, on est bon. On passe le palier vraiment juste, hein, en vrai. Hein. On est comment au niveau des routes? Comment on fait pour le savoir? Je sais plus. Ah oui, je peux aussi baisser l'école et tout, les poubelles, parce qu'en vrai, bah, on n'est pas encore full. Après, faut pas trop le baisser, sinon bah, là, les gens vont tomber malades, ou alors il n'y aura pas assez de place à l'école. Faut tout le temps gérer. Alors, l'école. La clinique, il n'y a qu'un patient sur 100, donc on est largement large. Et l'école, il y a... Ah, par contre, il y a pas mal d'étudiants, donc là, il y en a trop. Ok. Nouveau domaine, donc on va pouvoir agrandir le monde. On a un nouvel quartier politique, on peut créer des quartiers, on peut modifier la politique de la ville. On a un deuxième prêt. Spécialisation de quartier. Politique de service, pompier, police, bâtiment unique. Spécialisation agricole, ça c'est dur, j'ai jamais réussi à faire, faudra que je m'y penche. Spécialisation forestière, je sais pas comment on fait du tout. Nouvelle politique, consommation d'eau, distribution de détecteurs de fumée, consommation d'énergie, antenne de pompiers et commissariat de police. Je crois que les deux coûtent très cher. Là on a des objectifs, site exceptionnel. Bon voilà. Après, ça sera à 1500. Là, on a eu que 20 000, on gagne que 20 000 par 20 000. Alors là, faut que j'augmente tout de suite l'école. Et puis voilà. On a les impôts. Donc, on a les impôts, on va les mettre à 10 partout. Faut récupérer de l'argent pour continuer à construire. 48% de vos revenus proviennent de zones résidentielles. C'est bon à savoir. Après, on a les transports publics, ça. Le jeu est vraiment complet, hein. Bah écoutez, on va continuer à construire.
Là, au milieu du rond-point, pour l'instant, je compte rien mettre. Ici, on va mettre un peu ça, un peu ici aussi. Continuer ici. Non, pas là. Il faut de ça un petit peu. Hop, ça suffira pour le moment. Électricité, il manquait l'électricité. Ouais. Comment on fait? Merde. Ouais, je suis. Ouais, c'est bon. Hop, on va augmenter l'eau. Je pense qu'on peut commencer à augmenter. Je vais faire un petit check-up. Ouais, l'eau, j'ai bien fait. Ok, on retombe bien sur la barre. Stockage des charges de 104 000. Donc là, par contre, le statut, on est dans le rouge, donc je comprends pas. Je comprends pas trop. On peut le baisser en vrai. Ça aussi, je crois. Ça, non, on le laisse comme ça. Dans le médical. Il n'y a qu'un habitant malade donc. Après, ça peut être vite la merde donc c'est des choses qu'il faut laisser en vrai. Oh merde, il y a le feu. Ah, mais j'ai pas les pompiers. Vite. Je suis préparé à rien du tout. Combien ça? Oh, 12 000, au moins ça va. Je m'attendais à plus. Pas ça ici. Ça ici, même ici, ça sera vraiment pile au milieu. On va se faire une petite. Voilà, avec un renfoncement. On va y mettre les pompiers. Voilà. Bah, du coup, bah, les flics. Après, puis bon, on va les mettre à côté. Hein. Voilà. Tablier des quartiers, ça je le ferai après. Ici, on va couper. Voilà. Pour les pompiers, ça sera plus rapide pour eux, au cas où. Et ici, c'est pour ça que j'aurais dû couper un peu les maisons, parce que là, ça fait pas mal de détours, hein, mine de rien. Faut penser stratégique. Il faut beaucoup de verre encore, hein, c'est dingue. Hein. Bon, c'est proportionnel au final, mais bon. Hop. Tout ici et puis ouais là-bas faut que je faudra que je coupe hein, forcément. On commence à avoir un beau truc en vrai. Ça commence à être pas mal du tout. Bon bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner. Et puis prochain épisode, objectif, bah les 1500, on va y arriver tranquillement, je pense. C'est bien parti en tout cas. Voilà, bye bye.